Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver ici à l'Institut français aussi nombreux. Comme vous le savez, c'est le premier atelier, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je me présente, je m'appelle Alexandra Duchesne. Je suis récemment arrivée à Bagdad. Ça fait un mois et demi, presque deux, que je suis ici. Je travaille à l'ambassade de France et mon objectif, c'est de faire rayonner le français en Irak. C'est une grande mission et je compte sur vous pour m'aider dans cet objectif ambitieux. Vous connaissez peut-être déjà Nadia, qui va m'accompagner aussi tout au long de cet événement. Si vous avez des problèmes de traduction, n'hésitez pas aussi à les signaler. Nadia sera là pour traduire. Et Aya, qui est notre responsable campus France ici à l'Institut, vous fera une petite présentation des études en France, voilà, des informations générales à la fin de l'atelier. D'accord ? Ok. C'est un atelier interactif, comme on a appelé ces nouveaux ateliers les ateliers créatifs, parce que ce sera à la fois des ateliers créatifs, j'espère, actifs et interactifs. Ok ? Normalement, ce n'est pas moi qui vais parler pendant 2 heures. Ce n'est pas l'objectif. Okay, je sais que je compte vraiment sur vous pour vous exprimer, pour parler, pour contribuer, débattre. Okay. Et aujourd'hui, c'est le premier atelier. Okay, donc on est là pour ensemble prendre la température et voir petit à petit des rendez-vous et comment ça pourra se mettre en place par la suite. Ok, au fil des ateliers. Aujourd'hui, c'est le premier, donc on est tous un peu stressés, mais ça va bien se passer. Ok. Donc, le sujet de ce premier atelier, vous l'avez tous vu, c'est la créativité en temps de crise, une source d'espoir pour l'humanité. J'espère que ça vous a inspiré. Surtout, on a encore des nouvelles manifestations de la crise dernièrement. Hein. On l'a vu hier avec les nouvelles mesures restrictives pour les voyageurs, mais aussi, a priori, les manifestations culturelles sont restreintes ou interdites. Mais on est quand même là, donc on fait un petit acte de résistance, mais résistance consciente. C'est pour ça que j'insiste. N'hésitez, vous garderez votre masque tout au long de l'atelier. Quand je viendrai, si je viens, je descends, je mettrai mon masque aussi. Gardez bien les distances de sécurité. On respecte bien toutes les normes sécuritaires en vigueur. Mais ça, j'arrive pas à le faire marcher. Youssef, ça marche pas. Ah, c'est là, en fait. Non. Désolée, un petit problème technique. Je tiens à souligner qu'on est très très content de vous retrouver ici parce que ça fait des années en fait qu'il n'y avait pas ce type d'atelier qui avait été créé avec le public francophone. On est vraiment content que vous soyez là et qu'on puisse organiser ce type d'événement. Ah voilà. Donc je reviens au thème. Est-ce que vous connaissez Edgar Morin ? Non ? C'est un grand penseur du XXe siècle et du XXIe siècle aussi. Il a inventé le thème de crisologie. Pour lui, en fait, son domaine d'étude, c'est les crises. Et il dit, si les crises sont l'occasion de grandes régressions, elles favorisent aussi l'imagination créatrice. Okay. Ça, c'est un peu la citation qui va nous accompagner tout au long de cet atelier. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Pour illustrer un peu notre première partie qui porte sur la crise, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre de Nicolas Poussin. Donc c'est une œuvre classique qui se trouve au Louvre, qui présente aussi des personnages mythologiques. Est-ce que vous connaissez Orphée, ici ? Le mythe d'Orphée, est-ce que ça vous parle ? Non ? Orphée, c'était un grand poète. Okay, un poète très inspiré dans la mythologie, très aimé. Mais un jour, sa compagne, son amour, Eurydice, qui est ici, s'est fait mordre par un serpent. Okay. Et c'est suite
à la morsure du serpent qu'il a fait sa plus grande œuvre. Il est allé jusqu'aux enfers pour la chercher. Okay. Et c'est ça qui a, en fait, c'est la crise, le fait que sa dulcinée, sa compagne, ait été mordue, voilà, l'a inspirée pour créer son œuvre. Voilà, donc je trouvais que c'était une œuvre qui nous parle et on peut voir l'ambiance un peu tendue dans ce tableau. Voilà, c'est juste pour introduire cette première partie. Vous connaissez celui-là ? Vous l'avez tous déjà vu ? Vous voyez en quoi il symbolise un peu la crise aussi, la crise intérieure. On a vu la crise de l'artiste, voilà, ça c'est la crise existentielle. Alors, avant de vous faire parler, pendant la crise du coronavirus ici en Irak, l'Institut français a mené toute une série d'une opération, toute une série de vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais tous les jours, vous aviez rendez-vous avec un intellectuel qui parle français, irakien, et qui essayait de penser le jour d'après. Okay, donc c'était une initiative aussi pour penser l'après-crise, mais générée par la crise aussi. J'aimerais justement vous passer cette vidéo d'Étienne Klein, qui est un physicien très connu en France, qui nous parle justement de la crise. Et ça va nous inspirer justement à penser ce concept de crise, qui n'est pas forcément toujours négatif. Donc on va regarder la vidéo. Permettez-moi de vous dire deux, trois petites choses à propos de cette étrange période que nous traversons. L'un de mes amis, qui s'appelle François Julien, qui est à la fois philosophe et sinologue, donc spécialiste de la Chine, me disait qu'en chinois, le mot « crise » se traduit par un double mot qui est « wei-ji ». « Wei », ça s'écrit « w-e-i » et « ji », ça s'écrit « j-i ». Et ça se traduirait en français par « danger, opportunité ». Et en effet, je trouve qu'il y a là une très bonne façon de nommer ce que nous sommes en train de vivre, à la fois un danger massif qui oblige à prendre des mesures, en l'occurrence se confiner chez soi, et Ji qui se traduit par opportunité, parce qu'en effet, cette pause que fait l'histoire, qui est en train d'hiberner en quelque sorte, nous oblige à réfléchir, à agir autrement peut-être, et offre peut-être des opportunités qui autrefois nous étaient cachées. Je me souviens qu'il y a quelques mois encore, on parlait beaucoup du spectre de la fin du monde, on parlait de l'effondrement, on donnait beaucoup la parole aux collapsologues qui prédisaient à une échelle plus ou moins grande un prochain effondrement de l'économie, des modes de vie. Et puis on se disloquait aussi dans une sorte d'immobilité trépidante. On donnait beaucoup d'attention aux faits divers qu'on commentait sans cesse. Bref, le futur était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation symbolique. Et je vois qu'après quelques semaines d'épidémie, la flèche du temps s'est comme inversée. C'est-à-dire que alors même que nous sommes pris par la catastrophe, alors même que nous sommes dans une certaine urgence, l'obligation en tout cas de gérer cette crise qui est à la fois sanitaire, économique et sociale, eh bien nous sommes invités et presque forcés à repenser le futur, à nous interroger sur ce que nous voulons, sur ce que nous savons et aussi sur ce que nous sommes en train d'apprendre et de comprendre grâce à cette catastrophe. Et ainsi, la flèche du temps s'est comme inversée, c'est-à-dire que alors même que le monde est encore plus imprévisible qu'il était avant, l'idée de fin du monde a été en quelque sorte détrônée, remplacée par l'idée que demain il y aura un monde, peut-être autre que celui qu'il était avant, mais qu'il convient de préparer, en tout cas de scénariser, puisque des possibles sont désormais ouverts. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire, il y a là une occasion à saisir, peut-être qu'elle est factice, peut-être que cette idée d'un regain du futur n'est qu'un feu de paille que nous avons inventé pour nous distraire en ces temps de confinement. Mais je veux plutôt croire que le futur, le long terme, vient de faire son comeback dans nos réflexions présentes. Et c'est peut-être la seule bonne chose qui soit à mettre au crédit de ce petit coronavirus. Je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir.
Pour compléter un peu cette première réflexion sur l'idée de crise, à la fois danger. I have a question really quick. I know it's really weird. Pardon, les publicités, comme d'habitude. Donc, crise, danger, opportunité. Je vais demander à Nadia, qui voudrait contribuer en citant un auteur que vous connaissez tous, Albert Camus, et qui a pensé aussi à cette crise et qui est très contemporain vis-à-vis de la crise que nous vivons et des crises en général. Bon, bienvenue à tous ici. Comme Alexandra l'a dit, c'est notre premier atelier, donc on n'a pas beaucoup de choses à vous raconter, mais on a essayé de trouver ce qui est déjà connu pour vous. Donc là, j'imagine que vous connaissez tous Albert Camus. On l'a même étudié à la faculté, surtout La Peste. Donc La Peste est plutôt liée avec notre situation maintenant. Parce que là, quand l'épidémie est arrivée, on a tous pensé à la peste et comment ils ont vécu la peste il y a des années. Donc aujourd'hui, je ne veux pas être très horrible et misérable avec les textes, mais on a choisi deux textes à lire pour qu'on fait la liaison entre le roman de Noble qui a écrit Camus et notre situation. Donc, on a les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eux dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Donc, en fait, la liaison, c'était notre situation ici en Irak avec l'épidémie et les guerres qu'on a vécues en Irak. Donc, ça peut être une idée si on pense à la situation du pays en général. Et après, on a nos concitoyens s'étaient mis au pas, ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Ils avaient encore naturellement l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils s'en ressentaient plus la pointe. Donc ça peut être nous, exactement, parce qu'on est habitué, on s'est adapté à ce qui arrive ici. Et je ne sais pas si vous avez d'autres interactions, d'autres idées à partager avec nous aujourd'hui concernant ça. D'accord, je vais prendre la suite. Très bien, je vais juste relire cette deuxième citation que je trouve quand même très marquante avant de vous laisser la parole. Donc, nos concitoyens s'étaient mis au pas, ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n'en ressentaient plus la pointe. Je répète. Ils avaient encore naturellement l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n'en ressentaient plus la pointe. Donc ça pose la question aussi de savoir à partir de quel moment on ressent la crise, si on s'y est habitué. Qu'est-ce qui fait qu'une crise va être différente de l'autre ? Okay. Donc on va continuer, pardon. Vous êtes tous connectés à Internet. Donc j'aimerais que chacun d'entre vous puisse définir ce qu'est une crise pour lui, ou les limites de la crise. Pour cela, je vous invite à vous connecter donc sur menti.com, de mettre ce code. Pour ceux qui souhaitent écrire, vous pouvez écrire. Ceux qui souhaitent parler, on va faire passer le micro. Okay, donc vous pourrez définir à votre tour qu'est-ce que c'est que la crise pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise en français, on peut vous laisser parler en arabe et traduire, okay, exceptionnellement. Mais idéalement, on aimerait avoir vos interventions en français. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent s'exprimer à l'oral sur cette idée de crise ? Vous pouvez parler de votre expérience, ok, monsieur ? Je te laisse, Nadia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Vous pouvez lever la main, ceux qui souhaiteraient s'exprimer à l'oral. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, on voudrait remercier tout le monde qui a participé à faire cette invitation.
Et à mon avis, une crise, c'est un obstacle qui est contre l'être humain. Ça, c'est quelque chose qui est hors de la nature. Ça, c'est, on peut le considérer aussi quelque chose qui est obligatoire, contre l'homme. Alors, la crise, est, en général, ce n'est pas une chose positive. En général, en tout cas, c'est un truc négatif pour tout le monde. Donc, on voit que la majorité du peuple ou des peuples de la Terre, essaie toujours à combattre toutes les sortes de crises, comme les crises sanitaires, les crises sociales, etc., etc. Et comme les guerres, on peut les considérer comme des crises. Et voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter, ou les autres, pour pouvoir écrire ? D'ailleurs, je sais que certaines personnes nous regardent sur Facebook. Vous pouvez aussi participer en entrant sur menti.com. Donc, je vous invite à le faire depuis chez vous aussi. Le code est ici, 72 10 79 4. Donc voilà, une première personne a témoigné, merci. Une épreuve, se rendre ou surmonter, d'accord. Il me semble qu'il y avait une madame qui voulait témoigner aussi ici. Bonjour, j'ai un petit article, je voudrais que vous acceptiez de me lire. Pour la question, la créativité en temps de crise est une source d'espoir pour l'humanité. Certes, nous parlons donc de crise, de génie et créatif. Selon moi, je trouve que le confinement a poussé les gens à créer et inventer des nouveaux moyens pour profiter de leur temps chez eux et pour qu'ils se débarrassent du menu dépression psychologique et sanitaire. Alors, ils ont trouvé les moyens les plus efficaces, les réseaux sociaux, spécialement le net, qui a fait le monde comme un petit village. Alors, pour moi, j'ai un simple exemple que je voudrais vous mentionner. Au début de l'année, progression du virus, j'avais étudié le Master 1, mais au milieu de l'année scolaire, la vie s'est arrêtée à cause de la COVID-19. D'ailleurs, les gens ont essayé de sortir de cette crise en développant le moyen de communication. Donc, au fur et à mesure, la vie a repris son activité. Par exemple, nous avons continué nos études en ligne dans une classe virtuelle, en passant l'examen final au Google Classroom. Même à l'IFI, la participation est importante pour reprendre aux exigences du cours B2, mais en utilisant des applications de Zoom et les devoirs que Mme Alla, nous les avons donc envoyés. Nous avons surmonté cette crise ainsi, c'est la nature humaine qui est toujours à la recherche de substituts. Donc, nous avons toujours, c'est la lettre humaine qui cherche les autres moyens pour dépasser la crise. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très intéressant, très riche. Merci beaucoup, très personnel aussi. Merci beaucoup. Donc, on reviendra après vraiment sur la question de la crise pendant le Covid-19, enfin la Covid-19 qui n'est pas terminée. Mais surtout au début, lorsqu'on ne savait pas ce que c'était, ça a pu générer beaucoup de changements chez les gens. Donc, je vois que bon, vous êtes 4 personnes à avoir participé aussi à l'écrire, mais vous pouvez continuer à écrire, à proposer votre définition de la crise et on gardera tout cela. Okay, et ça nous servira aussi après. Une citation que j'aime bien ici, quelqu'un a dit « C'est un temps difficile qui peut mettre l'homme dans une situation malheureuse ou heureuse. » Est-ce que vous pourriez commenter un peu plus ? Okay. Merci. Oui, quand vous prenez le micro, donnez votre nom aussi, qu'on puisse vous identifier, comme c'est la première Bonjour. Fois. Bonjour, je m'appelle Mala. Je suis étudiante de l'Université de Verdun, Faculté des Langues. Et merci de m'avoir présenté ici. Donc, j'ai dit, c'est un temps difficile qui peut mettre l'homme dans une situation malheureuse,
Tu peux, quand on veut définir les crises, on peut dire que pour moi, c'est une expérience pas facile, en même temps pas très difficile, pour moi. Mais quand on pense maintenant de cette crise... Ah d'accord, quand on pense maintenant, pardon. Quand on pense maintenant de la crise du coronavirus et comment elle a, prend beaucoup de temps et de beaucoup de moments dans notre vie, on peut voir que cette situation a, à prendre notre liberté, d'accord ? Notre liberté d'exprimer, notre liberté de marcher dans la rue, notre liberté aussi d'avoir une conversation avec l'étranger. C'est difficile. Donc, on peut être en situation malheureuse. En même temps, dans une crise, dans un confinement, peut-être, nous avons beaucoup de temps à faire les choses qu'on aime, à faire les choses qu'on préfère, à faire les choses qu'on a toujours dû le faire, mais on n'a pas vraiment le temps à les faire ou les accomplir. Donc, oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, donc on va continuer. Très bien, donc ça c'était une première réflexion sur la crise en général. On a déjà commencé un peu à se focaliser sur la crise, notamment qu'on a vécu la crise du coronavirus. Mais on va continuer sur la crise en général. Pour cela, on va retourner un peu à notre présentation. Donc vous pouvez continuer à écrire, hein. On se resservira bien sûr de ces informations. Et voilà. Voilà. Donc, on a parlé notamment de la crise du coronavirus, mais il y a d'autres crises qui peuvent vous parler. Bien sûr, la crise de 2020, mais la crise sociale aussi. Beaucoup de crises que vous avez notamment vécues ici en Irak, avec les conflits, les guerres qui s'accumulent, interminables, mais aussi la pauvreté, qui est une forme de crise, les inégalités, qui génèrent des crises aussi. Mais il y a aussi une autre crise qui nous menace, et elle a été mentionnée dans la vidéo, c'est la grande crise climatique. Okay. Le réchauffement climatique, c'est aussi une crise qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là et qui nous menace. Bon, on a vu tout à l'heure avec l'image de Munch, vous savez, le tableau que j'ai montré, il y a aussi la crise intérieure, okay, la crise psychologique, la crise intérieure. Et l'autre crise qu'on ne voit pas, mais que vous connaissez aussi, c'est la crise économique. Voilà, il y a différents types de crises aussi qui peuvent nous affecter, qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, donc on se place vraiment dans un cadre plus large pour penser la crise. Ok, donc ça c'était la première partie de notre question. La deuxième, c'est la créativité. Okay. Je vais vous demander à tous, je vais vous poser une question et vous allez lever la main, okay, pour me dire oui ou non. À votre avis, la créativité est réservée au génie. Génie. Les gens qui sont un peu détachés du monde, qui ne vivent pas comme vous et moi, qui sont ce qu'on appelle un grain de folie, voilà, qui sont différents des autres, et qui, du coup, ne s'intègrent pas forcément dans la société. On pense à Einstein, à Mozart. Voilà. Eux, ce sont les seuls gens créatifs. Si vous êtes d'accord, levez la main. Levez la main, que je puisse vous compter. Je vais compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ok, 9 peut-être. Qui n'est pas d'accord ? Ok, je vais vous compter aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, égalité parfaite. Bon, est-ce que quelqu'un veut témoigner ? Parmi ceux qui ont dit oui, est-ce que quelqu'un voudrait compléter sa position ? Pourquoi oui, à votre avis, tout le monde ne peut pas être un artiste ? Vous êtes où ? Vas-y. Être créatif. Bonjour. Je m'appelle Jean et je suis médecin. Je vais dire que oui, la créativité est réservée au génie parce que ceux qui ont l'audacité à être différents et forts
et il faut avoir du courage. Et donc, pour vraiment être créative, pour vraiment dire que je vais faire quelque chose que personne, dont personne n'a pensé, donc c'est le courage. Et ça n'existe pas tout le temps chez tous les gens. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ce complément d'information. Quelqu'un d'autre souhaite dire le contraire ou ne pas être d'accord avec monsieur, dire que non, finalement, la créativité n'est pas réservée à certaines personnes. Ceux qui ont voté non tout à l'heure. Oui. J'ai dit que oui, la créativité n'est pas dans une, pour certaines personnes, parce que c'est une capacité. La capacité peut être née avec la personne dès le début, peut être développée et nourriture avec le temps. Donc la créativité peut être pour certaines personnes dès le début, peut être pour les personnes qui veulent développer leur capacité et cette qualité de la créativité. Merci beaucoup. Donc il n'y avait pas de réponse juste ou réponse fausse. Merci pour. Vous voulez aussi. Allez-y, monsieur souhaite participer aussi. Ben oui, merci. Tout simplement, cette formule m'a vraiment inspiré quelque chose qui a un rapport avec la littérature, et c'est justement avec la littérature surréaliste qui absolument dépend de ce qu'on appelle la création littéraire et la folie. Nous avons un petit exemple comme Salvador Dali qui a fait vraiment des peintures qui ont absolument un rapport avec la folie pour les autres, mais pour lui c'est le surréalisme, c'est une création pour les artistes. Et également, vous avez certains écrivains surréalistes ou certains écrivains dadaïstes, c'est le dadaïsme, un mouvement littéraire qui dépend absolument de ce qu'on appelle la spontanéité de l'action, et cette spontanéité crée toujours quelque chose d'artistique. C'est pourquoi on voit que pour nous, les gens normaux, on voit que c'est la folie pour nous, mais c'est pour eux, c'est vraiment la raison. C'est ça la différence entre certains artistes qui cherche le moi intérieur, qui cherche le moi intérieur à faire sortir, alors que nous, nous cherchons le moi extérieur. Je vous donne un exemple. La crise, vraiment, crée, la crise participe absolument à faire un art artistique. Je vous donne par exemple l'exemple de Victor Hugo, qui, de sa part, a fait un très, très beau poème. C'est pour sa petite fille, Léopoldine, quand elle était morte. Donc, le temps de crise fait de la création, et c'est justement la création littéraire. Merci. Merci pour cette excellente intervention. Il y a un monsieur derrière aussi qui souhaite participer. Donc, ce que vous venez de dire rejoint tout à fait ce qu'on va dire après. Donc, c'était une très bonne transition aussi. Je laisse la parole à monsieur. Bonjour, je suis Reda, et j'aime bien continuer la parole de mon professeur, monsieur Bachar. La créativité est bien attachée ceux qui sont considérés peut-être comme folie. Et j'aime bien citer un mouvement, l'existentialisme. Qui représente l'existentialisme? C'est Jean-Paul Sartre, que peut-être il y a bon nombre de monde qui le considère comme folie. Mais voilà qu'est-ce qu'il a présenté. Il a présenté l'existentialisme qui a sauvé le monde au XXe siècle. Il y avait beaucoup de crises, crises religieuses, crises sociales. Mais voilà, il a présenté un mouvement, il était courageux et qui est détaché de ce monde, c'est-à-dire il a le courage, il ne s'intéresse pas aux conséquences. Et voilà, il a essayé de sauver le monde, et à mon avis, il a bien sauvé le monde. Il a guidé les gens en dehors et lors de ces crises au XXe siècle. Et pour ça que je suis d'accord. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, vous introduisez aussi l'idée de crise ou de créativité qui serait justement une réponse à la crise. Que la crise génère de la créativité et par la créativité, on trouve une réponse aux problèmes causés par la crise. Donc oui, c'est aussi une intervention très, très intéressante. Donc on va continuer. Oui, allez-y. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Salam et je suis diplômé en langue française. Et moi, j'approuve ce que les deux missions ont dit,
mais je les invite aussi à ne pas oublier les autres artistes. Vous êtes aussi, vous avez mentionné Einstein, et il y a aussi d'autres personnes qui ont grandement participé à la création et qui ne sont pas folies, qui ne sont pas forcément génies. En ce qui concerne la littérature, je pense aussi au mouvement romantique. À ma modeste connaissance, je pense qu'ils n'étaient pas des folies. Ils étaient aussi des personnes normales comme nous, mais quand même, ils ont grandement contribué à la création. Donc, moi, je trouve que la créativité n'est jamais réservée au génie. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on est un génie qu'on est forcément fou. Et chacun peut choisir sa propre définition de la folie aussi. Hein. Quand on parle de grain de folie, c'est juste qu'on a une attitude qui peut être un peu différente des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être placé dans une institution mentale. D'accord ? Mais oui, en effet, c'est des échanges très intéressants et je vous remercie. Est-ce que je peux participer ? Bien sûr, Nadia. En fait, je suis pour les deux que tu as mis là au nom, parce qu'on peut être, on peut être des génies détachés du monde avec un grain de folie, et on peut être juste des gens normaux qui ont de passion. Donc peut-être des fois, c'est ça qui nous rend vraiment créatifs ou créatives. Et c'est la passion. Donc, si on est passionné par quelque chose, même si on est toujours occupé, si on a beaucoup de choses à faire, on peut être passionné par la langue française et on peut y arriver à la fin. Donc, on peut parler la langue juste parce qu'on l'aime. Donc, peut-être c'est juste ça. Merci pour ce message très optimiste. Donc, on va continuer. Donc, en fait, quand on parle de créativité, ça rejoint exactement ce que disait Nadia, il y a plusieurs types de créativité aussi. Elle n'est pas réservée à certains types de personnes. Okay, on peut tous être créatifs, plus ou moins. Okay, on a tous une capacité en fait, à développer notre créativité. Mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux artistes, quelque chose de très important, et surtout par rapport à la littérature, la créativité ne peut pas exister sans contrainte. Pour être créatif, il faut s'imposer des limites. Ça rejoint, donc, vous parlez des surréalistes tout à l'heure, mais on peut penser aussi au mouvement littéraire de l'Oulipo, qui justement, en fait, ils ont créé un livre, notamment la disparition de Pérec, sans la lettre E. Donc l'idée, c'est de toujours s'imposer des contraintes pour être créatif, pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Okay, mais sans contrainte, il n'y a pas de créativité. Donc, comme je l'ai écrit ici, la créativité, ça combine motivation, comme l'a dit Nadia, originalité, comme vous l'avez souligné, mais aussi un contexte. Un contexte qui peut être plus ou moins contraignant, okay, qui va nous mener à cette créativité. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment différents types de créativité en fonction du contexte et de l'intérieur. Créativité intérieure, extérieure, fondamentale. Donc fondamentale, on pense, on parlait d'Einstein tout à l'heure. Et créativité situationnelle. Voilà. Bon, pour retourner au sujet qui nous intéresse, la créativité peut être aussi une forme de subversion. J'ai pris cet exemple. Est-ce que vous connaissez Banksy ? Bon, Banksy est un artiste, bon, artiste contemporain qui se produit sur les murs, dans les villes, voilà, et qui a toujours un petit message politique avec son art, sa forme d'art qui est du street art ou de l'art urbain. Et ça, c'est sa dernière création. Vous l'aviez vue ? Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est une rue dans la banlieue de Tottenham. Et en fait, il a choisi de représenter cette dame-là. Une vieille dame qui est en train d'éternuer. C'est un peu pour représenter cette crise, mais en même temps s'en moquer. Allez, un peu un message d'humour. Et voilà, donc vous voyez cette rue ici, où les gens passent et ils voient cette dame en train d'éternuer, de perdre son dentier. Voilà, c'est un acte créatif qui nous renvoie à la réalité, mais en même temps qui nous permet de prendre de la distance et d'en rire un peu. Okay. Maintenant, je vais vous demander 2 minutes
On va réfléchir ensemble à cette créativité, même au niveau individuel. Donc, imaginez, voilà, que maintenant... Attendez, juste deux secondes. Donc, imaginez que, voilà, dans les prochaines semaines à venir, vous allez vous retrouver dans un endroit confiné à nouveau. Il n'y a pas Internet. Là, je sais que vous avez tous vos téléphones, mais là, il faut éteindre les téléphones. Vous pouvez sortir, aller dehors. Mais, voilà, vous avez des gens que vous connaissez, là, plus ou moins, autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez déjà fait, ça vous rappelle à votre passé. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va prendre juste 30 secondes pour réfléchir. Bon, normalement, en fait, on aurait dû éteindre toutes les lumières, mais il y a un petit couac technique. Voilà. Vous prenez 30 secondes pour réfléchir. Vous êtes dans cette situation. Il n'y a rien. Voilà. Ce n'est pas habituel. C'est surprenant. C'est étrange. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, on va rallumer les lumières. Ok. Maintenant, on va vous écouter. Donc, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette petite expérience? Ceux qui souhaitent témoigner. Vous êtes projetés dans cette situation. Levez la main si vous souhaitez témoigner. Non, bon, Nadia, peut-être? Bah oui, je vais témoigner parce que là, peut-être ils vont avoir des idées. Bah moi, personnellement, si je suis confinée quelque part, je préfère lire des livres, même si je ne comprends pas tout, mais je lis. Ou peut-être j'écoute de la musique, ou je dors pour quelques heures, pour juste... Donc là, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Marianne. Pendant le confinement, j'ai découvert que je peux écrire en français. Donc, j'ai écrit des petites histoires pour le confinement, comment je passe mes jours dans le confinement. Et aussi, je dessine. C'est vrai que mes dessins n'est pas très bon, mais j'essaie de dessiner et développer mes capacités dans les peintures. Oh, merci. Quelqu'un d'autre souhaite témoigner? Et même juste en réaction à ce qu'on vient de faire, là, je ne sais pas si ça vous a inspiré quelque chose, un peu de créativité aussi. Ou au contraire, quelqu'un a dit la mort tout à l'heure. J'aimerais que quelqu'un qui a dit la mort puisse continuer. J'étais au cœur de la crise sanitaire parce que moi je travaille à l'hôpital, donc je n'ai pas vraiment vécu le confinement parce que j'étais dehors la plupart de la journée, mais quand même pour moi il y avait des choses positives de ce confinement parce que moi, en fait, je n'aime pas vraiment être très proche des gens et je n'aime pas les câlins, les bisous, tout ça. Et en fait, merci pour le coronavirus. C'était un avantage pour moi. Donc, le Covid t'a sauvé la vie. Ça lui a sauvé les relations sociales, en tout cas, de plus avoir besoin de faire la bise au quotidien, oui. Je crois que beaucoup de monde est d'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ballora. Si je suis confinée sans l'Internet, je pense que je vais passer tout le temps avec mes animaux. C'est ce que j'adore faire. Bien sûr, je vais créer quelque chose que j'aime. Je vais lire, je vais bien sûr apprendre le français, mais apprendre le français sans l'Internet, ça sera assez difficile pour moi. Et s'il y a d'Internet, bien sûr, je vais apprendre le français tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore d'autres personnes qui avaient levé la main. Oui. Bonjour, je m'appelle Sarah. En fait, si je suis confinée,
je préfère écouter de la musique. C'est tout. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Oui, vas-y. Bonjour, je m'appelle Dania. En fait, parfois, quand on est confiné, c'est surtout pour les gens qui sont toujours occupés et pris par le travail et par la vie. C'est une bonne occasion et c'est une bonne opportunité aussi juste pour de déconnecter, de profiter de ce moment de calme, de penser, de réfléchir un peu. C'est juste de vivre le moment où on n'est pas pris par quelque chose ou juste en cours derrière quelque chose. Je pense que c'est le seul avantage que j'ai vécu pendant ces quelques mois. Et je ne sais pas si on va revivre ça à l'avenir, mais voilà, c'est ça. Bon, on espère qu'on ne va pas le revivre à nouveau de la même manière et avec la même intensité. Quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose ? Non, encore monsieur. En fait, ça m'a donné envie de trop penser les choses, parce que moi, ce que j'ai fait régulièrement, je surpense le passé, le présent et l'avenir. Et puis, si je cherche la tranquillité, je vais chanter. D'accord, ok. Merci beaucoup, merci pour vos petits témoignages. Donc, j'aimerais continuer à vous faire réagir autour de deux questions qui ont été posées dans cette partie. Donc, on a déjà répondu à la première, est-ce qu'on est tous créatifs ? On l'a fait tout à l'heure. Mais à votre avis, est-ce qu'en général, on peut vivre sans créativité ? Est-ce qu'on peut vivre sans créativité ? Qui pense que oui, on peut vivre sans créativité ? On peut très bien vivre normalement sa vie, sans aucune créativité. Ok, une personne, levez la main. Vous aussi ? Non ? Une seule ? Ok. Et qui pensent que non, on a besoin d'être créatif. Ok, bon, c'était... Bon, la majorité pense que non. Ok, et la question qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi ? Et c'est là où j'aimerais que vous réagissiez. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créativité pour vivre ? Peut-être, voilà, monsieur qui a dit que oui, on va d'abord le faire témoigner, et après les autres pourront lui répondre. Mais en fait, j'ai dit oui, c'est parce que ça dépend de la manière qu'on vit. Quelle est la vie qu'on vit ? Vous savez, alors vivre une vie normale, voilà, on peut vivre tous. Mais vivre une vie active, non, on ne peut pas vivre sans activité. Alors, il faut préciser comment vivre. Voilà, on vit en Irak, il y a des gens qui vivent en Europe. Mais comment ils vivent ? Voilà, ça c'est la question. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, on peut vivre. Très bien, vous avez introduit de la nuance dans la question. Très bien. Du coup, est-ce que les personnes souhaitent réagir pour répondre et dire finalement non, on a besoin de créativité et pourquoi ? On a besoin de créativité parce que pendant le confinement, on a besoin de cette créativité. Si nous ne savons pas l'Internet, on ne peut pas étudier sur l'Internet, on ne peut pas travailler. Et si nous savons le portable, on ne peut pas faire l'appel pour notre ami ou les proches. Donc, on peut créer toute la vie, besoin de créativité. Merci. Il y a encore deux personnes. Ouais. Tout simplement, imaginez avec moi un monde sans la musique, sans les films, sans les couleurs, sans les fleurs et sans votre livre préféré. C'est un monde sans créativité, tout simplement. Très belle image, merci, très bien. Je dirais qu'il faut être créatif malgré tout. Et là, je vais mentionner un exemple qui est mon frère. Mon frère, il travaille peintre en bâtiment, malgré qu'il a fait des études de droit. Mais puisqu'on ne travaille pas de ce qu'on a étudié en Irak, donc au début de cette crise,
Il a entamé un travail comme artiste de diorama. Donc pour ceux qui n'ont pas d'idée, c'est une mode de reconstitution d'une scène, que ce soit historique, naturaliste, géographique, etc. Donc ce qu'il fait, il va utiliser le faire en volume. Dans ce domaine artistique, on utilise des véritables matériaux, des objets qui sont plutôt des miniatures, et ce qui lui différencie de la sculpture. Donc mon frère, il a commencé, et il était transparent dès le début qu'il a un talent, et il a vendu pas mal de pièces, et jusqu'à maintenant, il travaille à demande, malgré qu'il travaille comme peintre en bâtiment, et il a fait des études de droit, et malgré la crise sanitaire et sociale, et il a fait quelque chose de créatif. Très bien, il s'est découvert un talent. Très bien, très intéressant. D'autres personnes souhaiteraient témoigner ? Ouais, deux personnes encore. Donc oui, en fait, ça fait penser que oui, on a bien vu que pendant le confinement, certains se sont servis aussi de leur créativité pour essayer de trouver des solutions à la crise. On l'a vu, certains, par exemple, se sont mis à créer des visières à partir de résidus de plastique. Beaucoup de gens sont devenus beaucoup plus créatifs pour essayer de trouver une réponse aussi à cette crise. Ouais. Oui, on vit, en général, on vit une vie quotidienne avec un rythme habituel. Donc, on a besoin d'une nouveauté. Donc, la créativité dans le choix de créer simplement la nouveauté. Donc, on a toujours besoin de la créativité, de trouver la nouveauté. Merci. Merci. Je pense que la créativité vient de la crise, est née de la crise sanitaire, notamment à notre pays. Il y a deux faces de la crise maintenant en Irak. On a des faces positives, comme il y a, comme j'ai vu, il y a des médecins, des infirmiers qui encouragent. Qui a encouragé les malades, les personnes qui ne sont pas bien à cause de la crise, notamment psychologiquement. Les gens, à ce temps-là, veulent être encouragés pour vivre tout simplement. La deuxième phase qui n'était pas positive, la violence sociale, conjugale, qu'on a écouté ou qu'on a entendu par les médias, il y a des gens qui font la violence conjugale, malheureusement, comme j'ai vu. Merci. D'accord, merci. Oui, c'est vrai que le fait d'être enfermé en famille pendant une période de crise peut générer de la créativité, comme on l'a dit tout à l'heure, mais peut être pour certains aussi, voilà, générer de la crise chez les individus aussi, avoir des comportements violents, des choses comme ça, c'est aussi une réalité. Donc là, on s'éloigne un peu du sujet, mais voilà, c'est vrai que la notion d'enfermement n'est jamais vraiment positive, hein, ça c'est sûr. Donc on va continuer. Quelqu'un d'autre souhaitait oui, témoigner. Vas-y, allez-y. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Hamse et j'ai 22 ans et j'ai diplômé. En fait, il n'est pas possible de continuer à vivre facilement sans créativité parce qu'il faut continuer à se développer et à rendre la vie plus simple, plein d'optimisme. Merci. Merci. C'est vrai que la créativité est un facteur de développement des individus. C'est très juste. Oui, Aya, bien sûr. Merci.
En fait, au niveau personnel, je trouve que c'est toujours la personnalité des personnes qui définit la créativité. Donc, il y a des gens qui sont créatifs, quoi que ce soit la situation. Donc, c'est eux qui profitent même des crises, soit sanitaires, soit sociales. Donc, il y a des autres qui peuvent survivre. Donc parce que on vit dans un monde dans lequel tout est systématisé. Donc si on peut suivre le système sans erreur, donc oui, on peut vivre. Donc mais à la fin, la créativité c'est inné. Merci. Ok, c'est un point de vue intéressant. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure entre voilà certaines personnes qui seraient créatifs, mais en plus qui ont un génie créateur, donc qui ferait d'eux des gens différents et toujours optimistes aussi et prêts à modifier un peu la réalité. Ok, merci. Donc, on retourne sur notre dernière partie qui est un peu, bon, c'est un peu le fil conducteur de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu aussi ce qu'on appelle une digression qui a été un peu diffusée sur les réseaux sociaux? Bon, est-ce que vous comprenez un peu la blague ou l'humour derrière cette toile de... Bon, vous savez qui c'est? C'est Vincent Van Gogh, oui, donc un fameux artiste expressionniste. Et là, il a son masque sur une oreille. Pourquoi? Voilà, il n'a pas d'autre oreille, il s'était coupé l'oreille. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport créativité, subversion. Bon, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. On est d'accord. Donc je vous rappelle un peu les mots-clés qui sont nés pendant cette crise de la Covid-19. Je pense que ça va vous parler. En français, on a beaucoup entendu ces mots. On a été martelés vraiment comme un marteau avec ces mots pendant des mois et ça risque de continuer. Donc l'idée de confinement, okay, c'est un mot qui n'était pas beaucoup utilisé avant. On ne parlait pas vraiment de confinement, on ne savait pas ce que c'était. En forme d'enfermement. Bon, on savait que dans certains contextes, on pourrait être confiné, notamment en cas de guerre, on va confiner les gens, ou voilà, des gens doivent rester confinés dans les endroits, mais on n'avait jamais pensé qu'à l'échelle mondiale, tout le monde se retrouverait confiné dans un confinement. Ça, c'est vraiment un mot de 2020, utilisé, réutilisé, le confinement. Bon, la continuité pédagogique, ça vous dit quelque chose? Bon, c'est un mot, voilà, en fait... Comme je pense que vous avez vécu la même chose, les écoles étant fermées, il fallait bien continuer à enseigner. Il fallait bien continuer à faire la classe, notamment que ce soit les écoles primaires, les écoles secondaires. Donc on a parlé de continuité pédagogique. Donc pour pouvoir continuer les cours, on va les faire en ligne, principalement, ou sous format hybride parfois. On l'a vu dernièrement, c'était plus des formes hybrides où on avait moitié en présentiel, moitié en ligne. Bon, j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on ne va pas retourner à la continuité pédagogique entièrement en ligne. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas ce que 2021 nous réserve. Et ce dont a parlé monsieur tout à l'heure, qui était bénéfique pour certains, la distanciation sociale. Okay, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous êtes tous éloignés des uns des autres, avec un masque. Vous n'allez pas vous embrasser, vous n'allez pas vous prendre dans les bras. Voilà, ça c'était vraiment les mots-clés de cette crise. Donc, on va faire un autre petit jeu. Donc, on va passer un peu sur le côté linguistique. On vous a prévu quelques petites surprises. Donc, pour la première, on va travailler sur la créativité. Je vous l'avais dit que, voilà, pour être créatif, il faut s'imposer des contraintes. Donc, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander de vous connecter à nouveau sur Mentimeter et de trouver un maximum de mots qui s'accordent, selon vous, avec crise. Okay, mais je ne vous demande pas seulement de trouver tous les mots qui riment avec crise. D'accord ? Ça peut être la rime, bien sûr, par exemple, freeze. Bon. Mais aussi, crise, vous pouvez vous servir du préfixe et faire crispant, par exemple. Et en plus, en termes de sens, ça nous parle. Crise, crispant, quelque chose qui nous crispe, qui nous fige. Ou le préfixe, ou à cause du sens. Par exemple, pensez au danger, opportunité qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que là, on va faire comme une sorte de poème collectif, okay, à partir des mots que vous suggérez, que vous inspire le mot crise. Okay,
Donc, s'il vous plaît, avec votre téléphone, connectez-vous à nouveau. Youssef. Normalement, vos mots vont apparaître. Donc, j'invite aussi nos amis sur Facebook à se connecter et à nous proposer, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot crise ? Et ce sera notre poème créatif du jour. Bon. Méprise. Cauchemar. Bon, on va essayer d'être un peu positif, mais c'est vrai qu'avec le thème de la crise, ça va être difficile. Qui c'est qui a écrit Méprise ? Est-ce que vous pouvez un peu développer pourquoi ça vous inspire Dindia, tu peux ça... Je pense qu'il y a une crise parce qu'il y a quelqu'un qui a commis une faute. Il y a la crise sanitaire parce que peut-être le virus a échappé dans le labo. Peut-être quelqu'un qui a mangé quelque chose immangeable, quoi. Donc c'est une méprise pour moi. Méprise, c'est très bien trouvé. Créatif et juste à la fois. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir aussi sur cette notion de crise ? Est-ce que ça vous inspire aussi ? Peut-être que vous n'arrivez pas à le condenser en un seul mot. Donc si vous voulez aussi parler... Ah oui, ne pas regarder le ciel. Qui a écrit ça ? Ne pas regarder le ciel. Ah, est-ce que vous pouvez développer ? Attendez, on va juste vous amener le micro. Pour moi, chaque fois que je... Pardon. La crise pour moi, c'est de ne pas regarder le ciel parce que chaque fois que je regarde le ciel, il y a quelque chose au fond de moi, se ressentit très bien, très calme et très formidable. Donc c'est une crise pour moi de ne pas regarder le ciel. Merci pour ce témoignage. Compression, ne pas être libre, cauchemar, prise, élan, catastrophe. Étape de vie, tiens. Quelqu'un écrit étape de vie. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur cette idée de crise comme une étape aussi ? C'est intéressant. Oui, je dis qu'elle était étape de vie parce que dans la rue, il y a toujours des obstacles. Ça marche ? Oui. Il y a toujours des obstacles. On a la capacité... La capacité, bien sûr, de dépasser cet obstacle. Donc, c'est une étape très importante dans notre vie, de trouver les crises. Très bien. Donc, les crises, c'est aussi ce qui nous fait grandir. On l'a vu tout à l'heure, comme une étape du développement aussi. La mort qui revient. Invention. Test. Tiens, quelqu'un a mis test, mais est-ce que c'était juste un test ou c'est lié à la crise ? On ne peut pas savoir. Est-ce que quelqu'un souhaite témoigner par rapport à aussi ce que ça vous inspire, du coup, ce petit poème qu'on vient de faire ensemble ? Oui, Daniel. Oui, voilà, en fait, la crise signifie, en fait, 100% pour moi, c'est l'inquiétude.
surtout dans une situation pareille qu'on ne sait pas ce qui va nous amener où exactement. On s'inquiète pour notre famille, notre travail, notre vie à l'avenir. Donc, franchement, en fait, le COVID-19 m'a inquiété le plus, en fait, surtout pour mes proches. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend à l'avenir. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, on se retrouve un peu ici. Très bien. Quelqu'un d'autre souhaite faire un autre commentaire? C'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de mots un peu contradictoires aussi parfois. On a parti de notre chemin, bon. Mais en même temps, en solidarité, très positif. On voit qu'il y a à la fois des choses positives et négatives. Hein. Oui, c'est vous qui avez dit. Ok, on va faire parler monsieur. Pourquoi j'ai dit solidarité? C'est parce que pendant la crise, c'est là où on peut vraiment mettre toutes les valeurs de la société en épreuve. C'est là où on peut dire que nous allons surmonter et nous allons créer une condition pour s'en sortir. Donc, c'est important d'avoir la solidarité pendant la crise. Et selon là, je ne crois pas qu'on puisse vraiment sortir de toute la situation qui se passe maintenant. Merci. Oui, madame souhaite rajouter quelque chose. Oui, il y en a un contraste. Moi, je crée le malheur et le bonheur. Le malheur, à cause de la COVID, on a perdu beaucoup de gens qui sont très proches et nous aimons beaucoup. Même, ce n'est pas notre proche, mais aussi ces personnages mondiaux, comme les joueurs ou les acteurs, etc. Et le côté de bonheur, c'est le réunir avec la famille. Et nous sommes tous proches avec eux, prendre tout, la souffrance ou les moments, comment on dit, les moments de malheureuse et le moment de heureuse aussi. Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est bien, notre nuage de mots grandit. Le mot torture, bon, il y a quand même des mots très très forts aussi, hein, négativement. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait témoigner et peut-être expliquer son choix de mots parmi vous? Levez la main. Okay. Moi, j'ai choisi la mort parce que pendant le confinement, nous étions vraiment morts. On ne peut pas sortir, on ne peut pas visiter nos amis et nos proches. Nous restons dans la maison comme la prison. Donc, on choisit la mort. On ne peut pas être très proche avec nos amis s'ils nous parlent, nous restons une distance entre nous. Ou parfois, on parle sur le téléphone seulement. Donc, nous étions vraiment morts. D'accord, merci. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose? On passe à la suite. Ah, ok, monsieur, et puis après on va continuer avec notre petite activité linguistique. Je commente sur cauchemar, où tout le monde pense que la crise sanitaire comme un cancer. La majorité des gens qui tombent malades à COVID-19 pensent que la maladie ou l'épidémie comme un cancer, ils ont la peur d'hésiter de faire quelque chose. Ils ont le malheur, tout simplement. D'accord. Merci. Donc oui, monsieur souhaite aussi commenter devant. Moi, je vais choisir le mot la détérioration. C'est comme les conséquences des guerres ou de la bombe nucléaire, comme une épidémie ou
parce que la crise, par exemple, sanitaire, quelquefois cause des milliers ou des centaines de milliers de personnes. Je la considère comme une destruction massive. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. La détérioration, pardon, vous l'avez mal écrit. Se détériorer. Ok, c'est bon. On va pas terminer sur une note très positive, mais il y a un petit cœur ici, donc. Alors, on va continuer. Youssef. Ok. Personne d'autre ne souhaite commenter son choix de mots. Bon, on gardera ce nuage de mots. Ok, on va le publier comme vestige de cette rencontre. En tout cas, témoignage de voilà nos échanges très intéressants d'aujourd'hui. Donc, j'ai terminé, enfin, pour ma part, parce qu'après, c'est Nadia qui va prendre la suite. J'ai une dernière petite activité à vous proposer, enfin, une petite rencontre avec quelqu'un qui a été très créatif pendant la crise du Covid-19. C'est Wajdi Mouawad. Est-ce que vous connaissez cet auteur ? Non ? Alors, je vous invite à le lire. C'est un metteur en scène, dramaturge libanais, d'origine libanaise, mais qui a ensuite grandi au Canada et qui vit maintenant à Paris. Une de ses pièces les plus célèbres s'intitule « Incendie ». Vous avez peut-être déjà vu un film « Incendie » de Denis Villeneuve, si ça vous dit quelque chose. Bon, c'est un film très puissant. Et il est maintenant le directeur d'un théâtre, le Théâtre de la Colline, à Paris. Et pendant le confinement, il s'est amusé, ou en tout cas, il a été très créatif, et il a proposé chaque jour une réflexion sur la vie confinée. Il a proposé un ensemble de 35 podcasts ou enregistrements audio où il partageait ses réflexions sur le quotidien confiné. Ça s'appelait le journal de confinement. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont fait un journal de confinement ? Par exemple, chaque jour, vous avez consigné des mots, des idées, ou même votre quotidien pendant cette vie confinée. Vous ? J'ai écrit des publications sur Facebook, mais ce n'est pas chaque jour, c'est peut-être 2 ou 3 fois par mois, mais j'ai essayé d'écrire des expériences, pas seulement focalisées sur la COVID-19, mais en fait sur le jour de travail. Et en fait, ça m'a aidé beaucoup parce que moi, j'ai pas toujours pensé que je peux bien écrire, mais en fait, c'était une amélioration pour moi. Et en fait, les autres ont aimé l'expérience que j'ai écrite parce que pour eux, c'est tout autre monde. La médecine, tout ce qui se passe à l'hôpital pendant la crise, c'est tant d'anonymes pour eux. C'est toujours difficile pour eux à imaginer. Mais donc, c'était une bonne idée d'écrire et ça m'a aidé pendant le confinement. Un très bon exemple de créativité pendant la crise. D'autres personnes ont tenu un journal pendant ce confinement ? Non ? Bon, si on est à nouveau confiné, vous pouvez le faire. Non. Bon. On va écouter un petit extrait de ce journal de confinement et ça va illustrer un peu 2 choses. La notion Donc la continuité pédagogique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était l'école à la maison, et un peu une réflexion sur la prononciation du français. Parce que même pour les petits français, il y a des sons qui sont difficiles à comprendre et voilà, ça va certainement vous parler. Du coup, voilà, on va écouter. Juste 2 petites secondes. C'est le premier atelier. On doit régler les petits soucis techniques. Après, ça ira beaucoup mieux. Donc là, vous avez le texte, mais j'aurais préféré que vous l'entendiez avant. C'est le mot magnifique.
tout en faisant entendre le « ng » qui se trouve en son centre. Alors, ceci étant exposé aussi clairement, comment expliquer, en plein confinement de ce huitième jour, à un garçon de 6 ans que si le « ng » de champignon s'écrit effectivement « gn », celui de panier, par contre, s'écrit « ni ». Comment ? Le garçon lève la tête et se tourne, avec raison, vers son père, le regard habité par un désarroi indescriptible, comme si, là, au seuil de ce « ng », en une fraction de seconde, il prenait conscience de l'inconsistance des adultes. Mais, papa, si le « ng » de panier s'écrit avec un « n », pourquoi le « ng » de champignon, lui, s'écrit « gn » ? C'était difficile à expliquer, surtout pour un enfant si sensible aux injustices. Pourquoi ? Pourquoi le « ng » de panier n'avait pas droit au « gn » de champignon ? D'autant plus, me dit-il, que c'est dans les paniers que l'on dépose les champignons. Tant exposé, aussi clairement, comment expliquer, en plein confinement de ce huitième jour, à un garçon de 6 ans, que si le « ng » de champignon s'écrit effectivement « gn », celui de panier, par contre, s'écrit « ni ». Comment ? Le garçon lève la tête et se tourne, avec raison, vers son père, le regard habité par un désarroi indescriptible, comme si, là, au seuil de ce « ng », en une fraction de seconde, il prenait conscience de l'inconsistance des adultes. Mais, papa, si le « ng » de panier s'écrit avec un « n », pourquoi le « ng » de champignon, lui, s'écrit « gn » ? C'était difficile à expliquer, surtout pour un enfant si sensible aux injustices. Pourquoi ? Pourquoi le « ng » de panier n'avait pas droit au « gn » de champignon ? D'autant plus... Non, à la fin il dit d'autant plus, me dit-il, que c'est dans les paniers que l'on dépose des champignons. À cela, pas de réponse. Donc, on voit ici qu'il parle d'une situation de la vie quotidienne, où il fait la lecture, où il explique les sons du français à son garçon, pour en tirer une sorte de réflexion sur l'injustice aussi. Parce que c'est vrai que les adultes sont inconsistants. Le monde des adultes, le monde de la grammaire, n'est pas juste. D'accord ? Donc, je vous invite à écouter ces podcasts parce que c'est vraiment très intéressant. Il parle vraiment de son quotidien confiné, mais tout en ayant des réflexions vraiment intéressantes et puissantes à partir du quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment une illustration, c'est vraiment l'illustration de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Okay ? Donc on vous mettra les liens sur le Facebook et je vous invite vraiment à écouter ces 35 jours de confinement. Vous allez voyager et vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Wajdi Mouawad est un artiste formidable, vraiment. Est-ce que vous avez des commentaires, peut-être, par rapport à l'expérience que vous venez de vivre ou pas, ou d'écouter ? Est-ce que ça vous inspire quelque chose, l'expérience du petit garçon ? Parce qu'il prend aussi l'exemple du mot « magnifique ». Personne ne dit « magnifique ». Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui va dire « magnifique ». On dit toujours « magnifique ». Oui, mais ce n'est pas juste, c'est comme ça, c'est le français. Quelqu'un souhaiterait dire quelque chose ou on passe à la suite ? Bon, voilà, c'était juste la petite minute linguistique. Maintenant, ça va être à Nadia, il me semble, mais ça ne marche plus. Youssef. Donc, ça va être Nadia qui va vous présenter une petite activité. Il me semble. Bon, non. Ok. Donc, vous allez vous retrouver sur... Ah oui, non. Oui. Tu peux mettre Kahoot directement le site, en fait. Voilà. Donc, on vous laisse prendre votre téléphone. Et vous allez faire une toute petite activité, un petit quiz qui a été préparé par Nadia. Je la laisse présenter son activité. En fait, je ne sais pas si vous connaissez déjà Kahoot. Si vous devez aller sur Kahoot sur vos portables, il faut aller sur kahoot.it. Ok. Donc... On attend un petit moment pour que vous soyez connectés. Si vous avez l'application, vous pouvez l'utiliser aussi, mais le site marche bien aussi. Et là, vous voyez ici, c'est le code GamePen.
et vous tapez le numéro avec le code que vous avez sur le... Donc là, je vous raconte qu'est-ce que c'est exactement Kahoot, le temps que vous connectez. En fait, c'est un petit jeu ludique qu'ils ont créé, qui rend les classes un peu plus fun et qui casse l'ennui dans les classes en général. Donc les profs l'utilisent quand les étudiants sont un peu ennuyés par les cours où c'est un peu difficile à comprendre, où il y a beaucoup de grammaire, donc c'est une façon pour rendre les choses plus pratiques. Ok, donc là, quand vous tapez le code, vous écrivez vos noms, prénoms, ce que vous voulez, pour qu'on voit qui nous joint, et il y a des points. N'écrivez pas ce que vous voulez, écrivez votre nom, votre prénom ou un surnom pour qu'on puisse vous identifier. Voilà, donc... Pour l'instant, on a Ahmed qui a réussi à se connecter. Je ne sais pas qui c'est, mais bravo. Et on attend les autres. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à lever la main, on viendra vous aider. Hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter. Nadia, tu peux peut-être expliquer le type d'activité que tu as choisi, parce qu'en fait c'est une interface qui nous permet de faire des quiz, des jeux en ligne, mais voilà, Nadia a choisi un thème en particulier. Aujourd'hui on l'a fait, c'était lié avec ce qu'Alexandra vient d'expliquer sur les sons français, la phonétique en général. Donc on a préparé ce petit exercice pour juste distinguer entre les sons en français qui sont un peu compliqués pour tout le monde. Et des fois, ça se fait pour des textes. Si vous lisez un texte et il y a des questions après, c'est plus pratique de les mettre dans cette manière. Et il y a juste deux personnes qui sont connectées. Donc toujours que deux personnes, c'est étrange. Est-ce que c'est difficile de se connecter ou vous êtes connecté, il ne se passe rien? Ah, la connexion est faible. D'accord. Ouais, normalement, ça a besoin de... Normalement, c'est très rapide, en fait. Vous n'arrivez même pas à rentrer votre nom ? Le lien. Ah, c'est pas Menti. Faut vous connecter sur kahoot.it. Ah, et ça marche pas, vous n'arrivez à rien. Donc Internet ne marche pas, c'est ça? Bon, pour certains, ça marche. En fait, si vous voulez télécharger l'application, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Non. Normalement, il devrait pouvoir arriver. Essayez de réinitialiser la page de kahoot.it. Parce que là, on a trois personnes qui ont réussi à se connecter. Vous êtes tous connectés à Internet Pourquoi t'es écrit là? C'est Wi-Fi at. C'est quoi le mot de passe? Wi-Fi at. Ouais. T'as entendu? @ifibagdad. Je ne voudrais pas le dire au micro et tout le monde va m'entendre. Bon, on a 4 personnes. Vous êtes beaucoup plus que 4. Vraiment, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut que vous soyez représentés ici aussi. Bon, je vais essayer aussi de me connecter comme ça. D'ici, c'est un peu lent. Ok, on avance un petit peu là. Voilà. Ouais, non, je vais pas me connecter. Bon, il y a une personne qui a rentré le code pour être son nom, mais c'est pas grave. Levez la main si vous n'arrivez pas encore à vous connecter, qu'on voit combien de personnes n'y arrivent pas. Une, ok. Youssef, Hassan, il est là, ok.
Bon, malheureusement, c'est vrai que je pense que le Wi-Fi ne peut pas accueillir tout le monde. On peut pas. On a déjà 10 personnes de connectées. Bon, ça ne marche toujours pas. Vous n'arrivez pas à saisir le numéro, c'est ça le, ou même juste le site, ça ne réagit pas. Bon. On avance un peu ici. Voilà, il y a 13 personnes. C'est dommage si vous ne pouvez pas tous participer, mais vous pourrez lever la main. 14. Si, ça marche, mais oui, c'est lent, mais ça marche. Peut-être continuer. 15 personnes, c'est la moitié de la salle. Bon, on va continuer. Les autres, malheureusement, vous allez juste regarder. Ceux qui peuvent participer, faites-le rapidement. Enfin, faites-le. Oui, rapidement, c'est important. Il faut être rapide à ce jeu. Je pense qu'on va y aller. Ok. Il y en aura d'autres. C'est le premier. Première activité, mais il y en aura d'autres. D'accord. Donc ceux qui malheureusement n'ont pas pu participer aujourd'hui, vous participerez la prochaine fois. Ouais, mais il faut juste faire attention parce que c'est 20 secondes pour répondre. Donc il faut être vite. Et là, ce que vous allez voir sur l'écran, c'est la question avec les 4 choix. Les 4 choix sont dans une certaine couleur, 4 couleurs en fait. Et là, vous voyez sur votre appli, il y a les 4 symboles ou les 4 couleurs. Donc, les réponses ne sont pas écrites sur l'écran de vos portables. Donc, vous voyez les questions et les réponses d'ici. Et vous répondez en accordant ou associant les couleurs, okay, de ce que vous voyez ici. C'est clair ou... C'est comme question pour un champion, en fait. Vous allez voir. Ouais. Donc, on a d'autres qui... Je pense que c'est bon, on peut y aller, là. Il y a 17 personnes à Sanein. Comment prononcer le C dans le mot suivant? Vous avez ici, c'est crème brûlée. Et vous avez les 4 choix. On a 8 réponses ici, 9, 10, 11, 12. Une seconde et voilà 15 réponses. 12 ont répondu avec un K et là on a un qui a fait le S et c'est crème brûlée, donc c'est pas crème. Et voilà, on a 2 qui ont répondu un C, mais le son c'est un K, c'est pas un C. Donc un C c'est prononcé soit S soit K. Donc là, voilà. Mais on est bien là. Ok, oui, next. Voilà, Malaka, le scoreboard qui a gagné cette... Malaka est la première pour l'instant. Est-ce qu'elle va le rester? Oui. Après, c'est la compétition entre vous. Next, oui. Le L dans le mot Chanel est toujours prononcé comme le L anglais, A espagnol ou l'L allemand ou L arabe. Vous voyez Chanel. Donc voilà, on a 3 réponses qui sont comme l'L anglais.
qui est toujours un L. C'est pas comme le Chanel qui est plus léger. Et on a 4 comblés l'espagnol. Là, c'était un peu peut-être difficile parce que les 2 L en espagnol, c'est EI. Et l'aile arabe, voilà, c'est ça les 6 qui ont répondu. Voilà, on peut juste voir qui a gagné cette fois-ci. Ok. Et Malak est toujours la première. Effectivement, oui. Donc, le son wa se trouve dans quel mot ? Secondes. Ok, ça c'est déjà bien. On a noir, et vous avez ici, c'est oui, il y a bonjour, et orange. Donc noir, c'est la bonne réponse. Bah, merci, c'est déjà parfait, douce. Et c'est toujours Malak. Merci Malak. Le son I se trouve dans... Voilà, Lucie. Oh là on l'a trouvé, bravo. C'est super. Ah oui, Malak et on a... Mais Ahmed n'est pas du tout et pas très loin de Malak, là. Hein. Attention, Ahmed, il est en feu. Le son OU se trouve dans... C'est OU, c'est un son. C'est pas une lettre. Voilà. Oui. C'était le son OU. Donc ici, c'est le son. C'est le son, c'est-à-dire c'est la prononciation. Donc c'est pas la lettre U. Donc on ne dit pas pluie ou peu ou sœur ou minute. Okay. Après, on voit très bien qu'en général ici, les gens ont du mal à distinguer entre OU et E. Enfin, oui. C'est clair et net. Il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est pour... Voilà, on est Malak, toujours. Malak reste... Matin est nasalisé comme Martin et comme... Bah, vous faites attention au nasal, c'est comme quoi ? Alain, bravo. On n'a pas de problème avec le nasal. Mais je pense que certaines personnes ont perdu la connexion parce qu'il n'y a que 12 personnes qui ont répondu. Ouais. On va voir le résultat. On est désolé. Oui, malheureusement, Malak a perdu la connexion. Mais c'est Ahmed, du coup, qui en a bien profité. La prononciation de fille est comme celle de... Alors attention, ici, il y a un piège. Hein. Nadia, elle aime bien les pièges. Jolie fille. Bon, on a 11 qui disent que c'est famille, qui est juste. Et voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui a choisi ville, mais c'est ville. Donc là, c'est pas comme la règle de I. Okay. C'était le piège. Exactement. Et c'est il, l'autre. Okay. Surprise. La langue française est la langue de Pierre, Baudelaire, mon frère, Molière. Bravo.
bien la langue de Molière. Et c'était la dernière question. Donc on va voir qui a gagné ce petit jeu. Et donc, si on tape next, podium. Qui est sur le podium? Jean 3. Le deuxième, Zainab. Déjà bien. Et le premier, c'est qui? Ahmed. Bravo. Bon, Malak n'est pas loin. Malheureusement, elle a perdu la connexion. On pense à toi. On pense à vous. Okay. Merci beaucoup. Ok. Donc, on a terminé cette partie de l'atelier. Je vous remercie encore une fois d'avoir été nombreux aujourd'hui, d'avoir participé activement. Juste la dernière slide, peut-être, que tu peux mettre. Voilà, donc c'est juste pour vous remercier. Maintenant, je vais laisser la parole à Aya, qui va vous parler de Campus France et des études en France. Voilà, c'est fini pour ma partie. Et je vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Et je vous retrouverai avec grand plaisir au début du mois de février. Bonsoir, c'est Aya, responsable de l'espace Campus France, et ici à l'Institut français. Donc là, je vous présenterai une petite présentation sur les études en France, sur pourquoi choisir la France et l'espace Campus France ici en Irak. Donc tout d'abord, quand on parle, on dit par exemple la France, ce qui arrive à l'esprit, c'est... Donc ce qui arrive à l'esprit, c'est bien sûr c'est Tour Eiffel, la culture, l'architecture... et la nourriture française. Mais aussi, on parle d'un niveau scientifique assez haut, sachant que les chercheurs et les scientifiques français, ils ont gagné, quand on voit ici, ils ont gagné 62 prix Nobel et aussi 16 Medal Field. Et c'est une prise pour le mathématique. Aussi, la France, bien sûr, c'est la première destination touristique dans le monde. Et aussi, la France, bien sûr, si on parle de la France, c'est le plus payé de Français. C'est la langue, c'est une langue internationale, c'est la langue officielle dans 29 pays aussi. Et bien sûr, la France a la cinquième économie mondiale. On a quelques chiffres clés sur le panorama du système d'enseignement supérieur français. Donc, en 2020, il y a 358 000 étudiants étrangers en France qui sont actuellement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur français. Et aussi, bien sûr, la France, c'est le troisième pays non francophone au sein de l'attractivité mondiale des étudiants étrangers. Donc, bien sûr, concernant les frais de scolarité en France, le gouvernement français subventionne tous les étudiants, même les gens qui sont internationaux, les étudiants français. Donc, pour la licence, donc, les étudiants internationaux qui ne sont pas français, les gens qui ne viennent pas de la Union européenne, pour la licence, ils payent 2 700 et pour le master, c'est 3 700. Et ça, c'est ce que le gouvernement français paye. C'est le reste.
Bien sûr, donc pour les opportunités en général, vous pouvez toujours consulter le site international du Campus France. C'est www.campusfrance.org. Donc, pour les bourses, nous avons le site Campus Bourse. Et pour les formations qui sont toutes in English, donc ça concerne la public irakien parce que en général, le système d'enseignement supérieur irakien, c'est en anglais. Je pense que les Irakiens sont vraiment intéressés par les formations diplômantes qui sont toutes in English. Et aussi, pour la recherche, pour le doctorat et le postdoc, nous avons doctorat.campusfrance.org. Donc, vous pouvez consulter les trois catalogues sur le site international de Campus France. En fait, c'est un site assez interactif, assez facile à utiliser. Donc, Campus France en général et Campus France en Irak. Campus France, c'est une agence française sous la co-tutelle du ministère des Affaires étrangères français, le ministère d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation français, qui est concerné par la promotion d'enseignement supérieur français dans le monde et de guider les étudiants étrangers qui sont concernés ou bien intéressés à poursuivre leurs études en France. Donc, en Irak, on a deux espaces, à Bagdad ici et à Erbil. Donc, ici, j'ai mis... donc, à Bagdad, c'est moi, je suis la responsable Campus France. Et à Erbil, nous avons Myriam Zia, avec les numéros de téléphone et les adresses mail. Donc, pour tous qui sont intéressés, je vais distribuer ma carte de visite. Vous pouvez toujours me contacter selon mes horaires de travail. Et merci beaucoup. Okay, merci, Aya. Donc oui, je vous invite à venir lui parler après si voilà, vous souhaitez avoir plus de détails, plus d'informations. Toutes les informations aussi sont disponibles sur le site internet de l'ambassade et sur le Facebook de l'Institut français. Donc pour terminer, on va juste faire un retour sur l'exposition qu'il y a en cours en ce moment à l'Institut français. Ce n'est pas là, vous ne l'avez pas dans les murs, mais hors les murs, virtuellement, il y a une exposition qui s'appelle Tous en Même. Si vous avez déjà vu la page Facebook... voilà, il y a, on peut voilà, aller visiter une galerie virtuelle. Okay. C'est un projet donc, qui a été mené par le SCAC de l'ambassade de France. Donc l'artiste a bien voulu nous faire une petite vidéo pour vous montrer une petite visite guidée à l'intérieur de cette galerie et pour vous inviter à, du coup, dans votre temps libre, vous connecter et explorer cette galerie. Je ne sais pas, est-ce que quelques personnes parmi vous ont déjà essayé de regarder cette galerie, de regarder cette exposition en ligne ? Non ? Bon, ben voilà, ça va vous encourager à le faire. Vous pourrez accéder au lien depuis notre page Facebook. Et ça illustre aussi le thème dont on a travaillé aujourd'hui, dont on a parlé, pardon, aujourd'hui, puisque voilà, c'était un moyen de contourner la crise, le fait l'artiste ne puisse pas faire exposer ses œuvres physiquement ici, parce que les expositions sont interdites. Donc on peut le faire en ligne, virtuellement. C'est un moyen créatif de contourner cette crise que nous vivons. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour terminer. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je vous remercie encore vraiment d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi actifs. Et je compte sur vous. Donc, pour vous retrouver le mois prochain. Voilà, merci beaucoup. À l'invitation. Bonjour, Marc Latulière. Bonjour, Marc Latulière. Je suis le photographe de cette exposition, Tous en Même, galerie virtuelle créée à l'invitation de l'Institut français d'Irak, avec la commissaire Emmanuelle Asquette et le graphiste Nicolas Baleine. Donc elle est créée sur une plateforme d'exposition en ligne qui s'appelle ArtSteps et consacrée à une série
sur lequel je travaille depuis 15 ans, qui s'appelle Musée National, et pour lequel j'ai photographié à peu près un millier de Français en leur demandant de porter tous, le même masque. L'exposition compte 36 portraits. Alors on peut les agrandir normalement en cliquant dessus et obtenir leur titre, mais comme je suis en train de filmer l'exposition, apparemment ça bloque un peu les choses, de même que la navigation est un peu saccadée, je m'en excuse. Le principe de l'exposition est de relire la série dans le contexte de la pandémie de Covid qui nous met tous un peu sous des masques et nous confine un petit peu à une vie plus numérique dans cet univers un peu claustrophobe qui est celui d'Internet, comme volontairement est un peu claustrophobe cette galerie d'exposition que nous avons créée et qui commence par un premier espace qui est une forme de, pour nous de théâtre dans lequel sont concentrés des métiers de l'industrie, un peu les machinistes du théâtre de l'économie, qui ont continué à travailler, y compris pendant les différents confinements, et qui ici se retrouvent donc en avant-scène, alors que les travailleurs du monde de la culture, auxquels est consacré le reste de l'exposition, sont eux à l'arrêt, et donc nous les avons de certaine manière accrochés dans une sorte de labyrinthe qui évoquerait les coulisses d'un théâtre, comme dans cette galerie où on retrouve essentiellement des portraits du monde du patrimoine et des musées. Par exemple, ce portrait de Chris Dercon, président du Grand Palais à Paris.